bedo ko yaaye ko faatunde men hebi kindiya winte don kolente e no kure de village on ko lambeya haray e men fokkutu faatunde den mi iwi ko an kobaya mi arani be somfonia e yeso isin e alaji sali yeso isin fari mi arani be don yettibe don mi tawoy musibe amen go yewrube dobirika kawraabe an eneniraabe yaayiraabe mi taybe don e dun ko kabele men fotti don fi yewgo fatunde den fulawa don tumati mi lumbiti rawije den yargol landroit transition lumbiti rawije den mi darnoy don auto taybe an habbi lan ko station mi noddi be be yeey leeto men be ari be taymi don mi fermi be fermiti bafe den jawgol tawi auto an on no mari place tato baaw mi jippi uddutugol importe ye be ya jawa baaw on tumati syndicat ben ari be dido be dari ko porto an yeso ko damal ko mi jawrata don yeso e damal hikkingal angal don gosu baaw on tumati be nangi men be inni wo ko men kilando mi do wujjude passage minni e ko fartonde men hebi fulawa moko ba be mawbe amen ben men tumbondiri men yurondiri fatu nene be immini men menen do yo me woni yeso fi watti gongol ko alansara ko nokkure kindiya kolente kure den ni ne lambeya ngeli on tumati syndicat ben ari lappi bafe auto on won won yo be yaci on sa yayan yani ko gudoro ko li bay be yani don on tumati tension mabbe monti ko don be piki crise min ni ay ko wadda o hinni ko sanfude makko la nous sommes en tristesse on a eu de tristesse et une perte une mère qui notre frère est décédé depuis longtemps il l'a laissé la dame là avec ses 6 enfants c'est la dame là qui a serré les enfants jusqu'à ils sont grandis les filles sont le mari les garçons ceux qui sont là sont mariés il y a un autre qui est porté disparu à partir du Sénégal il y a un autre qui est décédé ici à Somfonia ici moi je ne retiens pas les dates mais depuis c'est elle qui s'occupe des enfants avec les familles tout depuis qu'elle est là on n'a pas eu de problème dans la famille c'est comme notre frère est là chaque cérémonie c'est elle qui se présente pour nous faciliter les tâches. Maintenant, elle est partie comme ça, banalement. Elle n'était pas malade. Elle partait pour un autre enterrement de l'un de son oncle ou neveu qui était décédé à Kolenten là-bas. Kindia Kolenten, à Lambéa précisément, c'est là-bas qu'il se rendait. Maintenant, nous demandons l'État une justice pour leurs enfants. Puisque c'est elle qui tenait tout avec les familles. Maintenant, elle est partie, même pour une consigne. Là où elle est partie, là, il n'y a rien qu'elle a dit, un mot, ceci ou cela. Elle est partie sans dire un mot à ses enfants. Elle l'a quitté à la maison pour rendre dans ses familles. Elle est partie comme ça. Maintenant, nous, ce que nous réclamons, c'est la justice. Puisque cette syndicat qui réclame syndicat de transport, il n'arrive pas à différencier les Kilando et les membres et des personnes. On ne peut pas acquiescer tout chauffeur qui a une voiture d'embarquer quelqu'un ou débarquer quelqu'un dans une route nationale.